Bonjour, YouTube, vous savez ce qui se passe là? Eh ben on va jouer à Sifu. On va jouer à Sifu, je joue donc avec une main de Xbox One. C'est un jeu de Kung Fu apparemment, je ne connais pas du tout le jeu, j'ai regardé vite fait des let's play, ça a l'air vraiment trop bien. Et bah voilà, je découvre. Je découvre avec vous ce jeu. Et bah let's go, nouvelle partie, nouvelle partie. J'ai déjà testé pour voir si le jeu tournait, le jeu tourne. 8 ans plus tôt. Ouais, j'avais fait une sauvegarde vite fait pour tester. Bah du coup, je l'écrase et on en refait une. C'est parti. Let's go. On joue à Sifu. Ah, quel plaisir. Quel plaisir de tester ce jeu. Alors, je sais pas dans quel pays on est. Je sais pas ce que c'est. Je ne connais pas grand-chose. Mais il faut appuyer sur A pour commencer. Et bah, let's go. Commençons. Commençons cette aventure sur Sifu. On dirait du... Les caractères, on dirait du chinois, je crois, non? Oh! Il y a un mec qui est pa... y a un ninja qui est passé là, non? J'ai cru voir un truc passer. Alors on incarne un mec. Ou une fille. Je sais pas si c'est un gars ou une fille. Il a des traits masculins un peu. Je pense que c'est un gars. En vrai, je sais pas. Alors on peut taper. Ok, nickel. On peut taper. On peut taper apparemment. Bon, on va voir comment ça se passe. Il y a des scooters et tout. Ah. Attendez, je vais mettre ma caméra à un autre endroit. Apparemment, c'est pas prévu pour que ce soit là. On va se mettre ici. Attaque lourde, Y. Ok, ça commence. Il y a un mec qui nous attend. LB pour parer. Ok. J'ai pété la gueule à un mec. LB pour parer. La gâchette de gauche. Oh, ils sont trop. Involontaire ou écarte-toi? Involontaire. Who wants to go first? Leave him to me. Oula. Oula, je l'ai eu, je l'ai eu. Oh, c'est génial. C'est trop bien. C'est trop bien ce jeu. Bah ok. On a pété la gueule à tout le monde. Bon bah super. Bah let's go, on continue. Oh, un bâton. J'aurais pu prendre un bâton. Allez, let's go. Moi je suis chaud. C'est parti. On ouvre. La caméra est très rapprochée, mais pour l'instant c'est pas trop dérangeant. Ok. Il y a une porte qui s'est ouverte. Boucle la zone, ne sois pas trop arrogant. Ah ouais, on est des méchants, non? On a l'air d'être assez méchants. Attends, on va boucler la zone. Y a personne qui doit quitter. Hop là. Trop bien ce jeu où tu butes tout le monde. Bon, on les bute pas, on les tabasse. Mais ils cherchent la baston un peu les gens, non? Pour l'instant c'est un peu nous qui cherchons la baston là. C'est vrai, c'est vrai. Attends, c'est quoi ça? Non, y'a rien. Allez. Courir, RT. Attends, ça fait quoi ça? Ok. Nickel, ça dash aussi. Vas-y, on entre. Oh, il a perdu son bâton le mec. Dommage. J'aurais bien aimé garder mon... Ah si, on l'a le bâton. Là, il y a une porte. On l'enfonce. 1, 2, 3. On l'ouvre simplement. Génial! Je suis génial! Ça fait quoi ça? D'accord, on peut faire des coups de pied dans les trucs pour les balancer. Ça marche pour tout? Oh, ça marche pour tout! Oh là là, ça va être fun! Il y a tellement une diversité de gameplay qui va s'offrir à nous là.
Et coucou Deadman, comment ça va? Putain, c'est énorme! Ça va être trop bien ce jeu! Oh, attention là! On va tabasser une famille. Vous êtes chaud? Et la famille là? Oh merde, je l'ai lancé le bâton! Bon, c'est pas grave. Oh oh oh! Oula! Oula, arrête! Oh là 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 là! Bah voilà mon pote, c'est fini. Attends, mon bâton, je veux le récupérer. J'ai pas laissé mon bâton pour rien moi. Ah, mon bâton. Ah, je l'ai pété. Je l'ai pété, merde. Bon, dommage. Alors il m'avait dit qu'on pouvait sauter sur des trucs. Bah, je sais pas trop ce que j'ai foutu mais... C'est marrant, ils se battent pour aucune raison. Bah si, parce qu'ils se sont vus. C'est des gens qui aiment pas se regarder. Tu m'as regardé dans les yeux là? Tu m'as regardé frère? Et boum, ça se pète la gueule. Vas-y, on avance, hein. C'est trop bien, le... C'est vraiment génial. J'ai hâte de... Je pense que le jeu, il a l'air dur quand même, en vrai. Le jeu a l'air compliqué. Lui, c'est notre pote. Il a pété la gueule à tout le monde. D'accord. Ça va, mec? Où est-il? Il a un masque ou quoi? Il a une tête trop bizarre. Non, c'est peut-être pas un masque. Nous aussi, on n'a pas une tête bizarre. Oh, nous, ça va, en vrai. J'ai l'impression qu'on est méchant quand même, non? Je me sens pas très sympa, là. Oh. Stop. Yang. Yang. Of course. Yang. C'est nous Yang. On s'appelle Yang. Sifu. Sifu? Sifu, ça veut pas dire maître, un truc comme ça, non? Mais lent. You know why I'm here, don't you? Just step aside. Garde-toi. Ou alors, tu étais une erreur. Ouh, c'est pas gentil ça, on dit pas ça aux gens normalement. Normalement c'est tes parents quand ils te voulaient pas... Quand ils voulaient pas avoir d'enfants, ils disent oh, tu étais une erreur. Désolé Dylan, tu étais une erreur. Ils ont l'air vénères les gens. Donnez une seconde chance. Ouh. Allez, on va se battre contre le mec en chemise. Les musiques sont cool. Allez. Ok mon pote, il s'est cru dans Matrix. Oula, 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 oh. Attends, je vais prendre de... Je vais prendre de la distance. Ah merde, on peut pas prendre de distance. Ouh. Ok. Hero Phoenix. Il a l'air trop bien ce jeu. On est d'accord. On est d'accord. Allez. Chaud, le vieux. Il est chaud le vieux, mais carrément. Attends, je crois qu'il y a des, techniques de ouf. Coup baissé. On essaye un coup baissé. Attends, griffe fluide. Après une parade. XA. En vrai, il y a trop de trucs. Hein. Combo. XXY, XXX. En vrai, il n'y a pas tant de combos que ça, mais ça va être compliqué de maîtriser tout ça. Hein. Oula. Oh là là là. Allez, allez. J'ai arborer la technique des jeux de combat classiques, c'est-à-dire appuyer sur tous les boutons. Et en vrai, c'est stylé. Bon, c'est pas très logique ce que je fais, mais c'est stylé. Oula. On est les méchants, en vrai, hein.
J'ai trop l'impression qu'on est hyper méchants. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Montre-moi, montre-toi. Garçon, fille. Ah, on peut être une fille ou un garçon. On fait quoi, garçon ou fille? En vrai, je trouverais ça plus stylé que ce soit une fille qui pète la gueule à tout le monde plutôt qu'un garçon. Vas-y, je prends une fille. Oh. Bon choix. Elle est trop badass. Elle est hyper badass. Donc c'est nous. C'est nous. Dong, dong, dong. Alors. Voilà, on est mort. Dommage. Youps. Décédé. Sorry. Fin du game. Et non. Et non, non, non. On a juste saigné des doigts. Il a dû nous couper une phalange. Oh non, on a un collier qui brille. On est comme un chat, on a 7 vies. On en a perdu une, plus que 6. Ah ouais, il s'est vraiment pris un coup là. Hein. Ah, father, papa il est où? Papa il a l'air... Oh ça a l'air d'aller. Et bah les prénoms des gens qui ont créé le jeu, ça sonne très français. Ouais, je crois que c'est un studio français, hein, les créateurs du jeu. Dévié Paré. Ok, c'est bon. J'ai eu. C'est trop bien. Ok, mon pote. Oh putain, il m'a éclaté la gueule. Oh. Ok. C'est génial. Ce générique d'intro est trop stylé. Ok. L'artiste. Coup de paume au bas X. Bas au X. Oula. Oh. Oh. Elle est balèze, hein. Allez, allez. Ok, on l'a eu. Chapeau bas l'artiste. Ok, il va y aura les boss qui vont être hyper... Il y aura forcément des mastodontes un peu, des trucs un peu violents. Quoique, ils vont être très lents, les gros, s'il y en a. Oh là là, ça, ça fait mal, ça. La PDG. Oh, la PDG, on l'a calmé sa gueule. Boum. Allez, next. Ok. Le leader. Tu es Yang. Choisir le point. Oula, j'ai rien compris. Oula.
Oh là, je vais crever. Oula. Allez, t'es mort, mon pote. Je sens que ce jeu va être compliqué. Je pense que je vais galérer. Ah là là. J'hésite encore à soit me concentrer à maîtriser les touches ou soit appuyer n'importe comment. Et je sens qu'on va partir sur un délire où on va appuyer n'importe où. Et je suis pas sûr que ça soit payant. Le jeu a l'air d'être assez rigoureux quand même. Ok, bon. Oh là là, les musiques sont stylées en vrai. Ça donne quoi ça? Entraîné et élevé par mon père et Sifu, nous étions proches autrefois. Il m'a beaucoup appris au fil des ans. Il a disparu aux côtés de sa femme et de sa fille quand j'étais encore enfant quelques années plus tard. Il a refait surface pour tuer mon père de sang-froid. Il vit à présent dans les hauteurs de la ville et gère un centre de médecine traditionnelle. Il semble avoir perdu tout contact avec le monde extérieur. Donc c'est le mec qui voulait nous tuer, qui nous a questionné nous tuer. Un refuge pour les malades en fin de vie. Le sanctuaire leur confère toute une panoplie de méthodes traditionnelles pour apaiser la douleur. Avec le temps, il a acquis une notoriété étrange en raison de ses prétendus miracles thérapeutiques. J'ai croisé Shen à plusieurs reprises quand j'étais jeune. En tant que maître du Kung-Fu, nos pères ne se connaissaient. Je n'arrive pas à croire qu'il est impliqué dans leur mort. Il participe à un événement appelé l'embrasement qui a lieu au club. Je dois m'y rendre avant que le club ne soit noir le monde. Et on a un raid. On a un raid qui vient d'arriver. Coucou, coucou le raid. Bienvenue à tous. Bienvenue les fleurs. Comment ça va? Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé votre live? Sur le MMO, j'ai oublié le nom, à chaque fois j'ai oublié le nom des jeux. Le jeu s'appelait Lost Ark, bien évidemment. Ça s'est bien passé du coup sur Lost Ark. Moi j'étais là au début, quand tu galérais à chercher une classe. J'espère que t'as trouvé une classe qui t'a plu en tout cas. Et bienvenue à toutes et tous, en tout cas sur ce live. Coucou tout le monde, oulala, ça pleut des fleurs, coucou toutes les fleurs, coucou tout le monde. Comment ça va? C'était cool? C'était cool Lost Ark, ça s'est bien passé? J'espère que ça s'est bien passé. Y'a pas eu trop de soucis. Là où tu disais, apparemment des gens... ils disent de la merde dans le chat ou je sais pas quoi, j'espère qu'il n'y a pas eu de problème comme ça sur le jeu. En tout cas, coucou tout le monde. Ouais, trop bien. Ça a l'air cool en vrai. Les vues en troisième, enfin pas en troisième personne, mais vues du dessus là, c'est vraiment stylé. Hein. Enfin moi je trouve ça cool comme... C'est rare de voir des MMO comme ça et ça fait trop plaisir de voir ça. Et coucou tout le monde. Bienvenue tout le monde. Nous, on joue à un jeu. Et c'est... vous tombez bien parce que le jeu vient de commencer. C'est si fou. C'est un jeu sorti la semaine dernière je crois, il est sorti jeudi. Il est sorti la semaine dernière et en ce moment il y a beaucoup de gens qui y jouent parce que c'est un bon jeu. C'est un bon jeu créé par un petit studio français que j'ai omis le nom. C'est quoi le nom du studio? Attendez, je vais essayer. Je crois que j'ai fait une commande où ça donne merde. Bah la commande elle a été tapée il y a pas longtemps. Bon bref, c'est un studio français qui a fait ce jeu et vous allez voir, c'est stylé. Vous allez vraiment voir que c'est stylé. Moi je découvre totalement le jeu et ça va être trop bien. Le jeu avec l'âge. Oui, c'est le jeu avec l'âge, exactement. Bah, on n'a pas encore... j'ai déjà vu un peu de let's play, donc je sais qu'il y a un système d'âge, mais on n'a pas encore découvert ça, nous. Là, on est en train juste de découvrir le tout début du jeu, et on est en train de se renseigner avec sur notre personnage. En gros, on est... c'est beau, en vrai. Les graphiques, enfin, la DA est vraiment particulière. Elle est vraiment agréable, je trouve. Enfin, il y a un style particulier. Donc, on incarne ce personnage. Je sais pas son prénom. Je connais pas son prénom. Et on va s'entraîner là, on vient de démarrer. On vient tout juste de démarrer le jeu. Quoi, le jeu avec l'âge? Le jeu avec l'âge? L'âge. je sens que tu vas apprécier. Je sens que c'est... Alors là, le peu qu'on a joué, c'est vraiment cool. C'est vraiment stylé. C'est un jeu de kung-fu en gros. Un jeu de combat, art de rue à moitié. Enfin ça va être cool. Ça va être vraiment sympa. Et les musiques sont... une petite pépite les musiques, c'est vraiment stylé. J'adore la DA, perso, je trouve, ça rend super bien. Mais en fait, c'est assez simple, je trouve, la DA. Enfin, assez simple, dans le sens où c'est pas une explosion de graphisme comme on peut avoir dans les jeux modernes qu'on a l'habitude de voir. Bah, rien que regarder par la fenêtre, quoi. C'est très... je sais pas, c'est très... Je saurais pas comment définir. Bon, en tout cas, c'est une DA qui, moi, me plaît. C'est un peu peut-être, non, pas pastel, mais un peu gras, je dirais. Un peu gras. Trop bien, j'ai entendu parler... tu nous fais une petite démonstration de combat. Bah attends, on va essayer de lire ça d'abord. Donc en gros, pour faire l'histoire, le tout début de l'histoire, on a incarné le méchant au tout début pendant 5 minutes. Et le méchant est venu buter notre... Sifu et notre père. Entraîné, élevé par mon père et Sifu.
En gros, il y a un mec, un méchant qui est venu tuer... Je sais pas s'il a tué notre père, mais en tout cas, il a tué Sifu, qui est notre maître, en gros. Notre maître d'arts martiaux. Et il a disparu aux côtés de sa femme et de sa fille quand j'étais encore enfant. Quelques années plus tard, il a refait surface pour tuer mon père de sang-froid. Donc papa aussi est mort. Sifu, papa sont morts. Il vit à présent dans les hauteurs de la ville. Donc le méchant de l'histoire apparemment. Il vit dans les hauteurs de la ville, il gère un centre de médecine traditionnel. Il semble avoir perdu tout contact avec le monde. Le gars, il tue des gens, mais il a quand même un centre de médecine au cas où il a envie de redevenir sympa un petit peu. Ça va être drôle. Ça va... Oui, DA, c'est la direction artistique, bien vu. C'est vrai que j'ai pas expliqué ce que c'était. Alors ça, qu'est-ce que ça dit ? J'ai croisé Sean à plusieurs reprises quand j'étais jeune. En tant que maître de Kung Fu, nos pères se connaissaient. Je n'arrive pas à croire qu'il est impliqué dans leur mort. Sean ? Sean est impliqué dans la mort du père, ok. Il participe à un événement appelé l'embrasement qui a lieu au club. Je dois m'y rendre avant que le club ne soit noir de monde. Très bien. On va lire ça. Autrefois une zone industrielle, le quartier était déserté quand le travail a fait défaut. Il n'est plus fréquentable depuis que les gangs s'en sont emparés. D'accord. Problème de gang. À mon avis, va falloir faire petit. Il y aura des petites péripéties par-ci par-là. Et à mon avis, je pense que le boss final, on le connaît, mais on sait pas. Je sais pas en gros si ça va être ça. Après chaque mort, le nombre de morts du pendentif augmente. Ah! Ça c'est du c'est du lore, mais c'est surtout du gameplay, je crois. À chaque fois qu'on va mourir, le nombre de morts du pendentif va augmenter. Quand vous vous relevez, ce nombre s'ajoute à votre âge. Donc en gros, si je meurs, je perds un an de vie. Donc à mon avis, ça va être au niveau du... Le jeu va être comme ça. À chaque fois qu'on meurt, on perd un an. Donc le concept est... Enfin, j'ai vu du let's play, donc j'ai compris ça. On va pouvoir le mettre en pratique. Au fur et à mesure que les années s'accumulent, le pendentif perd sa puissance et les pièces finissent par se briser. D'accord, donc on a un collier, en gros on pourra pas mourir plus d'un certain nombre de fois, j'imagine. Lorsqu'il n'en reste plus aucune, vous ne pouvez plus vous relever, la partie s'achève à la prochaine mort. D'accord. Très bien. Ça a l'air compliqué en vrai, il donne beaucoup d'infos. La structure correspond à la capacité de vous défendre et à vous battre. Chaque coup que vous prenez, chaque fois que vous prenez un coup plutôt, cela détériore votre structure. Après un certain nombre de coups, elle finit... C'est marrant quand même que ce soit un jeu fait par des Français, mais qu'il soit... Attends, à moins que ce soit moi qui sache pas lire, mais... Chaque coup que vous prenez, un coup. Non, c'est chaque fois, on est d'accord. Hein. C'est marrant, un jeu fait par un studio français où il y a des fautes de... Il y a des fautes de frappe, quoi. Enfin, c'est des fautes de... d'inattention, un peu. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Le jeu est bon. Le jeu, hormis ça, c'est cool. Après un certain nombre de coups, elle finit par céder. Elle vous expose brièvement aux attaques ennemies. Dévier et parer les attaques pour empêcher vos adversaires de bruit. Oh, vas-y, on va découvrir par nous-mêmes en vrai. On va découvrir par nous-mêmes. J'ai envie de me battre. J'ai vraiment juste envie de me battre. On va se battre contre un arbre. Vous êtes chaud? Est-ce qu'on va être capable de gagner contre cet arbre? On va avancer doucement au cas où il nous fasse une feinte. Attention. Attaque! Non, c'était pas l'attaque de l'arbre. Alors, ça, c'est quoi? Le focus rotation à 360 degrés. Sert à réaliser. Ah, on peut acheter des bonus, c'est ça? Ah non, c'est toutes nos attaques, ça? D'accord, ça coûte des barres. Attendez, le truc à 360 degrés coûte 2 barres. Donc pour 2 barres, on peut réaliser un mouvement ample qui fauche plusieurs ennemis avec un bâton. J'ai pas trop compris. En fait, ça se déverrouille. En gros, on achète des bonus avec de l'XP, je crois. C'est de l'XP pour avoir des coups en plus. Il y en a beaucoup. Bon, on s'y intéressera plus tard. Pour l'instant, on n'a pas d'XP de toute façon. On verra plus tard là-dessus. Moi, je vais aller me battre. Et pas contre un arbuste. Ne te plante pas. On va essayer de pas se planter. Ah bah non, mais il fallait que je fasse un truc en fait. Attendez, je crois que j'ai raté quelque chose en fait. Je comprends pas. Ça y est, je suis paumé. Ah si, attendez. Attendez, j'ai raté quelque chose ou... Attendez, voilà, j'ai fait de la merde. Attendez, faut aller... Ça commence... Ah, c'est pas une porte, là? Faut pas aller là? Non? Attends, on va peut-être aller... Attends, ça se trouve, c'est juste derrière ma caméra qu'il y a un truc et je l'ai pas vu. Non, non, c'est juste l'arbre de compétence, ça. Bah merde, on a pas d'XP? On a rien d'XP? Attends, il manque un truc, je pense. J'ai dû rater quelque chose ici. Ça, là. Voilà. Il m'a tranché la gorge cette nuit-là. Oui, ça, je vous ai pas dit. En gros, le jeu a commencé, on s'est fait décapiter. Enfin, on s'est fait trancher la gorge, mais on n'est pas mort. Voilà.
C'est un botaniste impliqué dans un gang, il ne quitte jamais l'entrepôt. D'accord, on a des informations petit à petit. Ok. Attends, ça, on n'a pas lu ça. Difficile de sonder le passé de Kukori, mais une chose est sûre, elle est japonaise. D'après les rumeurs, elle appartient au monde du crime dans son pays. Un événement a dû la contraindre à s'exiler en Chine. Elle dirige à présent un musée d'art. Elle se penche jour et nuit sur son exposition, la plus ambitieuse à ce jour. Il est 15h35. Ok, bienvenue. Donc là, c'est bon, on peut y aller. Ah, regardez, il y a des trucs par-ci, par-là. Ça, c'est quoi? C'est l'entraînement? Réaliser... Attends, réinitialiser la situation. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Réaliser la situation. Passif, terminer l'entraînement. C'est l'entraînement, ça. Vas-y, on n'a pas besoin de s'entraîner, en fait, si. Non, je pense pas. Donc l'entraînement... J'ai du mal à comprendre ce qu'ils attendent de moi. On va aller là-bas, là. L'arbustre? On n'a pas d'XP, on peut rien faire avec ça. J'ai dû rater quelque chose, hein, je pense. Hein. Attends, ça c'est fait. Les squats. Ah, d'accord. C'est des niveaux. C'est un système de niveaux. C'est pas ouvert. Et bah go, on commence. D'accord, donc là c'est la zone principale. On peut aller s'XP à l'arbre. On peut s'entraîner au truc d'entraînement. On peut lire les panneaux pour avoir des informations sur le lore. Et il y a les niveaux qui sont choisis ici. Nickel. Très très bien. Ça me plaît. Ça me plaît, au moins c'est simple. Commençons. Oh, j'aime bien l'ambiance visuelle. Oh là là, c'est génial. Allez. Les effets de lumière et tout. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ils ont bloqué l'accès à l'entrepôt. Il va falloir trouver une autre entrée. Oh. On va passer par là alors. Dégage, c'est pas pour toi ici. Ah ouais? Moi je rentre direct. Let's go. Bataille. Je t'ai prévenu, connasse. Il m'a traité de connasse. Enfoiré, va. C'est toi le connard, là. Vas-y. Allez, 2-2. Oh, il y a un multiplicateur de combat. En gros, plus on va mieux se battre, je pense, plus on va prendre d'XP. On va pas prendre sa carte, là. C'est pas possible. Non, je crois pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous propose d'aller... Là-bas. C'est parti. Donc les combats, en gros, il y a plein de petits boutons. C'est comme un jeu de combat, je crois, classique. Hein. Sauf que moi, j'ai jamais joué à un jeu de combat de ma vie. Enfin, j'ai rarement joué. Et quand je joue à un jeu de combat, j'appuie sur tous les boutons. Là, pour l'instant, je pars sur le principe que j'appuie sur tous les boutons, mais va falloir que j'apprenne à jouer quand même, ça serait pas mal. Attends, à l'escalier, il y a quoi? Oui. Oh là là, il a pris cher. C'est génial. Toi aussi. Oh. Oh oh oh, j'adore ça. Hello, première fois ici, content de te trouver. Mes filles connaissent toutes tes vidéos de Zelda. Ah bah ça fait plaisir, bah bienvenue à toi Cole Moustak. Bienvenue. Et j'espère que vous allez passer un bon moment sur ce live. Attends, on peut prendre ça? Donc on peut s'armer, j'ai pris une bouteille. On va en faire quoi? Oh, y'a un mec qui dort là. Attends, on peut l'éclater ou pas le mec? Non. Non non. Attendez, je viens de tourner en rond là. Je sais pas trop où on va aller, on va y aller tranquillement. Alors, ici là. Qu'est-ce qu'on a? Enquêter. On enquête? Condamné jusqu'à nouvel ordre. J'ai trouvé cette note coincée dans une porte qui me bloquait l'accès vers l'entrepôt. Ok. Ah, c'est bien ça. C'est bien fait en vrai. Que toutes les. Enfin, tout ce qui est lié au lore, c'est écrit sur un tableau, on peut le retrouver et tout. C'est pas un lore trop imposant, on va dire, donc ça fait plaisir. Une batte de baseball? Non, c'est quoi? C'est une batte de fer? Allez, vas-y, on va se battre avec un tuyau. Let's go. Le jeu a l'air très sympa. Et bah, moi, j'ai vu très très peu de gameplay. J'ai juste vu vite fait, ça m'a plu direct. Et je me suis dit, vas-y, on tente. On tente. Et je pense que c'est un jeu qui va demander une certaine rigueur. Une certaine rigueur dans l'appui des touches, dans l'esquive et tout. Et bah, c'est cool en vrai. Et l'histoire a l'air sympa, enfin le peu qu'on a vu de l'histoire, elle a l'air de... On va voir. Alors. Voilà mec. Oh, alors par contre on leur roule dessus là sur les méchants. Alors j'ai pas vu de système de difficulté je crois au début, donc apparemment la difficulté elle doit être fixe.
Et bah on va voir comment ça va se passer. Pour l'instant c'est pas trop dur, mais bon on a fait que deux combats quoi. Boom. Alors en vrai le système de caméra qui se déplace là de droite à gauche, je peux y arriver, il suffit de prendre de l'élan. De l'élan ? Attends, on va courir. Attends, on prend de l'élan. Prends bien ton élan. Et go. C'est A pour sauter ? Non, il ouais, y a pas besoin de sauter, ok. Oh ! Oh, 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 oh. C'est trop bien, ouais. C'est un sacré défouloir ce jeu, en vrai. Attendez, qu'est-ce qu'on a là ? Oh, il est vénère lui. Bon, en vrai, je triche, j'ai une arme. Je devrais me battre main nue si j'étais un vrai ninja, moi. Un vrai maître du kung-fu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Enquêtez. C'est de la drogue produite ici. Elle est apparue quelques années après la mort de mon père. La ville le consomme de plus en plus. Ok, donc la drogue est violette ici. Très bien. Bon, on saura reconnaître. On ne touche pas à ça, les enfants, ok ? Tout ce qui est violet, on touche pas. Ok, on va aller voir là. Attendez, il n'y a pas un autre truc ? Ah, les musiques sont stylées, en vrai. Tu te débrouilles bien déjà pour un début. Bah, je pense... En tout cas, bon pour l'instant c'est pas trop dur, j'ai hâte de voir. J'ai hâte qu'on se prenne notre première claque contre un mini-boss ou un truc comme ça. Oh bah voilà, ça commence. Oh là là, la vue de côté là. Oh là là, esquive. Oh, oula. Oula, arrête. Ok. Attends, je vais récupérer cette arme là. Yes. Ah, j'ai voulu esquiver, j'ai pas réussi. Ah là, oh, je suis mort. Il s'agit du nombre de morts, il augmente de 1 à chaque mort. Ah, c'est pas mal. Le nombre de morts augmente de 1 à chaque mort. C'est original. C'est original comme concept. Normalement, je... Ouais, pas mal. Ok, on continue. Le nombre de morts augmente de 1 à chaque mort. Je m'y serais pas attendu s'il avait pas dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on peut dépenser nos points d'XP pour déverrouiller des trucs. Qu'est-ce qu'on pourrait déverrouiller? Vas-y, on va regarder là-haut. Deux barres. Balayage puissant coûte une barre. Frappe redoutable au genou. De verrouiller. Vous avez dépensé les points d'XP? Ouais. Pourquoi pas. De toute façon, on va tout acheter, non? Je sais pas comment ça marche, mais... On se relève. Je sens que... Lorsque vous vous relevez, ce nombre s'ajoute à votre âge. Oui. Continuons. 21 ans. Ouch. Ça y est. On commence déjà à être un vieux crouton, on a déjà 21 ans. C'est mort. Ah! Arrête! Arrête! Oula! Ok, toi t'es. Oh oh oh! Le coup qu'elle s'est pris, elle! Elle a perdu deux dents! Ah là là! Je vais encore perdre un an là! Ok. Oh putain! Pète-lui la gueule! C'est bon. Et bah dis donc, on a perdu la moitié de notre âge là. On a déjà 21 ans et demi là. À chaque coup, c'est 2 mois qu'on perd. Bon, on est parti. Alors. C'est stylé en vrai, c'est vraiment trop marrant, j'adore. Allez, let's go! Attends, c'est quoi ça? On va déteindre les lumières. Non, c'est bon, on va pouvoir y aller. On rentre là-dedans. Ok. Ici. On entre. Ah, cette musique qui met la pression là. On est presque bon de notre côté. Le dernier sac est en route. Ah, c'est des dealers ça. Boum. Voilà. Et je comprends pas, j'appuie sur paré, ça part pas.
Je vais bientôt avoir 22 ans là, faut vraiment que je me calme. Il va falloir que je trouve du heal. Comment on se heal? Faut que je prenne de la drogue. Clairement, je pense, hein. Ça rajeunit, je pense, la drogue. Non, je rigole, hein. Je rigole. Ça. Non, c'est des lunettes. Les lunettes, ça aide pas à rajeunir, en vrai. Vas-y, go. Bonjour, les gars. Oh, mais... J'ai esquivé! Pourquoi ça esquive pas? Bah putain, ça va être chaud en vrai, je comprends pas comment ça marche. Coup de pied vif, bah on se relève. On a 23 ans. Non, 22. 22. 23! On a perdu 2 ans d'un coup là! Allez, merde! Oh, ça fait mal! Oula, oula, là, j'ai perdu 2 ans là. J'ai perdu 6 mois. Oh, il m'a. J'ai perdu 3. Oh, je sens que ça va être dur. J'aurais jamais dû jouer à ce jeu. Ça va être. Ça... Je vais... C'est pas fait pour moi ce jeu. 26 ans. Arrête, esquive. Et ça esquive pas, ça me fait chier. Pourquoi ça esquive pas? Je vais... C'est mort, hein. Ça y est, on découvre vraiment le vrai jeu. Allez, allez. Il y a trop de mecs. What? Je suis encore mort, non. Non, 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 mais esquive. Il nous faudrait un gun en vrai. Oh. Mais je n'arrive pas. Oh putain. Bon, on a 35 ans. Bientôt le cimetière là. C'est mort, hein. Je veux... En vrai, ce jeu n'est absolument pas fait pour moi, je crois. Je suis tombé sur... J'aurais pas dû choisir ce jeu. On va peut-être progresser, hein. Je pense qu'on va finir par progresser. Ah, on a gagné un an. Non, on a gagné une mort. Alors, attendez. Je prends cette batte de baseball, cette batte de fer, là. Oh, y'a vache. Oh, ça va être compliqué. J'ai peur. J'ai peur qu'il y ait un mec qui nous croise, là. Salut, super pasta bros. Bienvenue. Bon. On se balade. J'aime mieux ces phases là. Hein. Ces phases où on glande. On glande en se baladant avec notre tuyau en métal. Là, là c'est tranquille. En 15 ans, les mecs sont toujours là à t'attendre. Ouais, ils sont chauds. Les mecs, ils ont la détermination. Hein. Ils sont chauds bouillants. Salut Zekronom. Allez, y'a... Attends, l'entrepôt est là-bas? Bah attendez, nous on veut pas aller à l'entrepôt. On va aller ailleurs d'abord. Histoire de loot. On sait bien, les gens ont pas d'armes. Même si nous, on en a pas non plus d'armes à feu. Personne n'a d'armes à feu, c'est cool. Cette salle. S'il vous plaît, qu'un seul mec ou pas 10, s'il vous plaît. Pas 10 personnes. Je sais pas du tout si je me dirige au bon endroit. Voilà. Hein. Ah non, on en vient d'ici, je suis trop bête. Demi-tour. Désolé, je me suis trompé de route. Je me suis dit bien que c'était pas là qu'il fallait aller. Je connaissais ce couloir où il y a plein de mecs morts dedans, c'est le couloir de tout à l'heure. On va là, du coup. Ouais, c'est bon. Là, on y va. Attends, mais c'était... Si, c'était là, hein. Je suis arrivé par là tout à l'heure. On s'est fight ici. Et c'est là que j'ai tapé... Ah bah non! J'étais là-bas, moi. Je venais de la fenêtre. Ah non, d'accord, parce qu'on a... Ouais, on a pris un chemin de traverse un petit peu. Salut Louis. Louis 80. Et Zorasta aussi. Alors... Là-bas, il y a des transats. On peut pas reprendre de la vie là en se posant un petit peu? Est-ce que là, ouais, niveau vitalité, là, ça me fait peur. On peut pas se heal? Une statuette. Âge 35 ans. Si j'avais que 25 ans, j'aurais pu prendre une meilleure durabilité sur les armes. Vous pouvez gagner après une mise à terre. Réserve de structure. Augmente la structure maximale.
Réserve de focus. Maîtrise de l'arme. PV gagné après une mise à terre. Augmente les PV après une mise à terre. Je prends ça, non ? Je pense que je vais me booster un peu n'importe comment parce que je comprends pas tout ce qu'ils veulent. Pour l'instant, bon, c'est verrouillé. Voilà, let's go. Alors. Sauter, grimper. Ouais, mais où ? Là. Oh, c'est stylé, les galipettes et tout là. Oula. Je sais pas parer en vrai, hein. C'est ouf. Hein. Okay. J'ai essayé de parer deux fois, ça a pas marché, c'est ouf. Hein. J'ai vraiment du mal la parade là. Pourtant c'est bien ça. Ouais, c'est ça. C'est bizarre. Attends, qu'est-ce qu'ils veulent ? Encore un saut ? Ça va le faire. C'est ça le saut ? On saute là-dedans ? Ah, faut courir, d'accord. Attendez, on va prendre de l'élan. Attends, je vais juste loot un petit peu par là. Il n'y a pas des cadeaux ? Allez, on court. 1, 2, 3. Dans les billets ! Oh oh. Il va nous faire perdre combien d'années, lui ? Au moins 20 ans, je pense, on va prendre dans la gueule avec lui. Y'a pas une... LB et... Attends, maintenez LB et bas. Ok. J'arrive pas à esquiver. Pas à parer, c'est trop galère, je comprends pas en vrai ce qu'ils attendent de moi. Je crois qu'il faut avoir un timing hyper serré. Il va me falloir des années pour avoir ce timing là en vrai. You impress me, little girl. On a perdu un... Remarque, si on meurt qu'une fois ça passe en vrai. Mais les timings, j'ai du mal à les gérer en vrai, j'ai vraiment du mal. Pas si facile que ça en fait. Bah ouais, c'est ça que j'attendais moi. La difficulté elle est là. Et est-ce qu'on va progresser? Je pense qu'il y aura une courbe de progression. J'espère qu'on va progresser, mais pour l'instant ça me fait un peu peur. Allez, let's go. En vrai, il y a les musiques qui rattrapent. Il y a des musiques de ouf qui te donnent trop envie de continuer. Même malgré les... Oh, heureusement que c'était là l'atterrissage. Oh, on aurait pu tomber tellement bas. J'avais pas vu que c'était un trou. Non. Mec. What the... Ok. Ok, c'est bien. Voilà. Ils veulent tous se battre, vous pensez ? J'ai réussi à la parer, elle. Oh ! Oula ! Et... Oh ! Je me suis pris une patate de forain, là. On se relève. Il me reste plus que 3 barres. Hein. 43 ans. Ah. Ah, la crise de la quarantaine, elle est là, là. Allez, allez, je suis trop à fond. Allez, allez. Oui. On a perdu. Je sais pas combien d'années, là. On a perdu 5 ans encore. Alors. Ça c'est quoi ? Un masque Covid.
Bon, ça va, ils pensent à se protéger, mais ils pensent pas à le mettre sur eux. Il y a des billets, on pourrait les prendre, non? Le club. Embrasement à 10h, le club. J'espère y trouver Sean, un des truands, parler de parier de l'argent sur quelque chose qui allait se produire à cet endroit ce soir. Mais en vrai, si je finis par être trop vieux, va falloir que je commence tout le niveau. C'est ça le concept? Si je suis vraiment trop nul, je recommence tout depuis le début? Après, on va progresser à recommencer en vrai, mais... Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Vas-y, on prend la botte, let's go. Ah oui, on a les cheveux gris là, ça se voit sur notre visage? Ouais, on fait un peu plus vieille quoi. Un petit peu. Mais plus sage, on connaît mieux le jeu. On avance doucement. On commence par là. How the fuck you get in here? With great difficulty. And I bet your keys could have made things a lot easier. Not so tough after all. Je pars, ça part pas, ça m'énerve. Bah, là, ouais. Ça va être compliqué, il nous reste plus que deux pins. 48 ans, allez, let's go. Allez, toi t'es mort. On a gagné. Oh, on est plus qu'à 3 ans. C'est bien. Pas 3 ans de perdu à chaque fois. J'aurais moins de mal à me déplacer dans l'entrepôt avec mes clés. Avec ses clés. Ah bah on a les clés. Parfait. Merci pour les clés. Bon, ce sera utile. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bah attendez, si on va looter ça. Qu'est-ce que c'est? Une statuette. Réserve de structure. Ah, j'ai plus de 40 ans maintenant, c'est mort. Et regain de structure. Augmente le gain de structure après avoir réussi une esquive. Je sais pas ce que c'est. Et ça, c'est quoi? J'ai acheté des trucs, je sais pas exactement ce que c'est. On peut jouer à ce jeu sur Switch ou pas? Aucune idée. Il est peut-être dispo sur Switch, mais je n'en ai... Je sais pas. Je sais pas du tout. Ton âge s'accumule de niveau en niveau. Aussi, oublie pas. Bah ça, oui, j'avais compris. Attends, si augmente le niveau de 2 à 65 ans, ça sera pas facile, quoi. Ah, le... Ah ouais, tu rajeunis pas quand tu recommences un niveau? Ça va être impossible alors. Bah on est mort, nous c'est fini. On est dans le niveau 1, on a 1000 ans déjà là. C'est le décès. Hein. On s'est mort. Il va falloir recommencer tout le jeu depuis le début. Quand on est trop vieux. Ça va être compliqué, on verra, on verra. J'imagine que le jeu, il a une difficulté qui est abordable. Enfin, il est faisable le jeu. Ils ont pas fait un jeu exprès pour les gens qui... Il aime bien recommencer 1000 fois les mêmes choses quand même. J'imagine qu'il y a une logique. Dans le pire des cas, si c'est pas ça, bah on jouera pas très longtemps et puis c'est tout quoi. Si... Tant qu'on s'amuse, moi tant que je m'amuse, ça me plaît. Hein. Si je m'amuse plus, j'arrête quoi. Ça va être tout simplement ça. Hein. Eh oh. Eh oh. Ça se trouve, elle est gentille. Hein. Ok. Bah, je sais pas si elle était gentille, mais en tout cas, elle est tombée. Après, les maîtres de Kung Fu sont vieux, bah voilà. Il faut qu'on soit vieux si on veut être bon, en vrai. Hop là. Allez, let's go. Bonjour. Voilà. Oh 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 oh. Les coups de batte dans la tête, là, c'est vraiment pas gentil, hein. Je me suis jamais aussi bien sorti dans un combat. Bah ça y est, je deviens une maître du Kung Fu là. Oula, j'avais pas vu lui. Oula là, bah là, il suffisait que je dise ça pour me faire calmer par des mecs.
prends pas 5 ans dans la... Non, non, on va vieillir, on va vieillir. Oui, on n'a pas vieilli. On a gagné. On bat tant, perd qu'un an si on crève. Attends, 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 attends. Rumble in the hangar. On a rumblé dans le hangar, parfait. Bon. Bon, c'est cool ça. On prend un bout de bois. Là, il y a des trucs. C'est de la drogue rose. On adore la drogue rose. On va en prendre un petit peu pour gagner un an. Oups, c'était pas ça qu'il fallait faire. Là. Une lafleur qui entre dans la composite de la violette. D'accord, donc la drogue rose s'appelle la violette. Donc c'est pas rose, c'est violet. Super, maintenant ça nous fait un indice en plus. Bah go, hein. On y va. On va aller se faire péter la gueule ailleurs, hein. Let's go. Oh, bah voilà, c'est exactement... Oh non. Ça m'est égal, il m'attend, écarte-toi. On a juste un bout de bambou là. 3v1, dont un qui pèse 3 fois notre poids. Allez, écarte-toi. Il nous a éclaté. Allez, arrête. On va crever, on a plus d'a... C'est bon, attendez, 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 il nous faut un bout de bois. Ah, on est mort. On a perdu 2 ans. Eh oui, on s'est fait avoir par le grand méchant loup. Voulez-vous dépenser des points? Vas-y si tu veux, vas-y, on achète tout ce qu'on peut, hein. Non? C'est verrouillé? Vas-y go, on avance. Bon, il nous reste 2 vies. On a 50 ans. Bon, ça va, 50 ans. Il était nul en fait lui. Boum, assommé mon pote au coup de bambou là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bah on va aller là-bas, c'est parti. Ça va être compliqué hein. Le premier niveau je pense qu'on va... On va se le bouffer plus d'une fois hein. C'est parti. Oh c'est beau. C'est... On s'est baladé dans plein de trucs différents dans un tout si petit niveau. En vrai c'est cool hein. On veut quoi? Regarde, focus, je sais pas quoi prendre en vrai. Maîtrise de l'arme, nombre de morts. Initialise votre nombre de morts à 0. Ah mais non, on a déjà 2 en vrai, on s'en fout. On peut pas gagner de l'âge là? Réserve de structure, augmente la structure maximale. Je sais pas ce que ça veut dire. Je comprends pas encore tout, on verra. Ok. Qu'on a là. Y'a personne. C'est le calme avant la tempête. Vous êtes... La tempête elle est là là. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, tempête. Ah non, c'était le calme. Donc la tempête elle est peut-être un peu plus loin. Ça c'est quoi? Une pizza? Une carte d'accès. Merde, j'ai raté le truc. Dommage. Bon désolé, on a raté un truc. Pas fait exprès. Est-ce qu'on va là ou là? Oh, on va là d'abord hein. Non. Non, on va pas là. Ça ressemble à la chambre privée de quelqu'un. C'est la chambre privée de qui, à votre avis? Bon, on saura pas. On saura pas pour l'instant. On saura peut-être un jour. Ah, les niveaux ont l'air d'être assez... Il y a plein de petits chemins de travers, ça a l'air cool. Enfin, plein de petits. Quelques, je pense. J'aime pas ce genre de cinématique. Ah! Non. Elle nous a entendu. Il nous a entendu, elle? Il. Oh. On est sur du botaniste de qualité assez impressionnant quoi. Alors ça, c'est... il est chaud en engrais lui. Hein. Oula, 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 oula.
Oula. Arrête, il me faut une arme. Il me faut une arme. Oh bah non, il m'a foutu une patate dans le dos. Se relever. Oh, on a plus qu'un pins. Et on a 53 ans. Bon. Oh là. Allez. Mais arrête, il est trop fort. Oh, mais j'ai perdu. J'ai pas perdu. Ah là on va perdre je pense. Oula. Qu'est-ce qu'on fout là? Oh il a fait tout pousser. Bah c'est mort. S'il est pas mort c'est que c'est fini pour moi là. J'ai plus de vie. Ah, je suis full life. J'ai 2 ans. Enfin, j'ai... Oh. Allez, allez. Mais non. Mais attends, il m'a éclaté en 2 secondes. Je crois. Ah, on a regagné un pins. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos pins? On en a perdu un pour en regagner un, c'est ça? On a 56 ans. Je me suis préparé à ça pendant 8 longues années. 8 ans 8 ans pour tuer ce monsieur? Dis donc, c'est pas ton pote, hein. Bon. L'assaut. C'est le niveau 1, là? En vrai, si on a reçu le niveau 1, je suis content. Non, c'est pas fini, hein. Non, c'est pas du tout fini. Non, non, je pense qu'on est à peine à 10% du niveau 1, là. Je pense que le niveau 1, on va se le taper 10 000 fois, je crois. Alors, attendez, Ah mais si, on a fini le niveau 1. Bon, ça vaudrait le coup de le recommencer, ce niveau 1 là, non? Ou on avance? Je sais que j'ai pas du tout... C'est une escroquerie, hein, ce que je viens de faire. Je sais que j'ai escroqué le jeu. On va apprendre à se battre en vrai, non? Alors attendez, réinitialiser la situation passif. Shall we? Alors attends, si je fais... Je vais essayer que esquiver. Ok, c'est mort. J'arrive pas à parer en vrai. J'appuie pourtant mais il se passe rien. Vas-y tape. C'est hyper dur. J'en ai paré 2 là. J'en ai paré 2 sur 3. J'arrive pas, hein.
Ok. Ok. Il y a ça que j'ai jamais testé en vrai. Ok, ça fait... Ça faudrait que je m'entraîne à l'utiliser ces trucs là en vrai, mais je sais pas comment ça marche. Vas-y, on arrête, on arrête. Je pense que... Alors attends, comment ça va se passer? Botaniste, finger, artiste, CEO, the leader. Ah d'accord! Il y a 1, 2, 3, il y a 5 niveaux à faire. Et il faut avoir le, l'âge le plus jeune à chaque fois pour terminer chaque niveau. Bah alors ce que je vous propose c'est qu'on va recommencer depuis zéro là. Le club, les squats. Alors comment on recommence? Âge 20 ans. D'accord. Âge, on commence à 20 ans ici, donc j'y vais. Vous voulez vraiment tourner à ce niveau? Vous perdez votre progression. Les bonus des sanctuaires et les compétences débloquées de façon non permanente sont perdus. Vous recommencerez à l'âge le plus jeune avec lequel vous avez atteint ce niveau. Avec votre tableau de l'enquête actuel. Bah. Vas-y, on fait ça, non? On recommence ou pas? Ah. Ouais, je pense que c'est le plus sage. Il faudrait qu'on ait 20 ans en vrai. Il faudrait qu'on ait 20 ans tout le temps. Mais ça va être impossible. Ça fait chapitre 14 fois pour le terminer à 23 ans. Ça va être impossible en vrai. Ça va être infaisable aussi. Vas-y, on va voir. Allez, on se concentre. Let's go. Need to find another way inside. Get lost. Et deux, ensuite. Et deux, deux. Bon. Next. Ah, ça va être drôle en vrai. Ça va être du tryhard. On y va. Là, ça on l'a pas fait. Je crois qu'on va le faire. Ah d'accord! Y'a des shortcuts! Ah ouais, mais c'est pas drôle. Bah d'un autre côté, si, c'est fait pour, non? On galère à faire le niveau la première fois. Bah en vrai, oui, autant pas se mettre de bâton dans les roues, quoi. Non, en vrai, c'est cool comme concept. Oh là là, je vais perdre un an, je vais perdre un an. Cours, cours, cours. Comment on... Il faut une arme. J'ai pas d'arme. Non ! Perds pas un an ! Perds pas un an ! Vas-y, j'ai envie de recommencer. Vas-y, on recommence. Quitter. Quitter. Abandonner. Abandonné. On recommence. Je veux pas perdre un an comme ça, moi. Hein. Hors de question. Hein. Les squats, commencez. On y va. Putain. Hé, hey, la jeunesse, là. On va la garder, notre jeunesse. Touche pas à mon âge, mais carrément. Vous allez me garder mon âge, là. Ok. Allez, c'est parti. En vrai, ça va. On va progresser, je pense. Mais 2v1 avec des battes de baseball, comment tu veux qu'on s'en sorte? C'est pas équitable en vrai. C'est vraiment pas équitable. Ok, go. C'est où la suite? Ok, là y'a personne.
On avance. On peut courir et en vrai c'est trop drôle. Le concept est bien vu en vrai. La première fois que tu fais le niveau, tu prends ton temps et puis après bah tu rush quoi. Alors les mecs au bat de baseball. Il faudrait que j'en attire qu'un seul comme ça je le prends tranquille. Y'a pas une arme qui traîne? Pas le sifflet là? Ils m'ont bloqué. On va encore perdre un an, c'est sûr. Go. Allez, on a fait mieux que tout à l'heure. Bon. On a presque perdu un an quand même, hein. Ça craint. Bon. Durabilité des armes. PV gagné après une mise à terre. Durabilité des armes. Nickel. Allez. On est chaud. On est bouillant. On donne tout. C'est parti. Ah. Hey you. Bon, un de moins. Allez. On passe par là. Allez, entre. Tu t'imagines, si je crève à la fin du niveau, faut que je refasse tout. En vrai, le concept est bien. On fera casse-qui en premier. Lui, là. Attendez. Ils sont là. On va les semer un peu. J'ai visualisé une arme là. Allez, toi t'es morte. T'as fait l'erreur de te faire défoncer. Vas-y, on tourne. Bon, on tourne jusqu'à ce qu'il soit si. Allez. Nickel. C'est la meilleure strat ça, non? Il me faut une arme. Attendez, on va en chercher une par là-bas. Tabouret, dans la gueule du mec. Non, je sais pas lancer des tabourets. Attendez, je vais choper cette arme là. Go. Nickel, maintenant on tabasse qui? On tabasse celui qui est tout seul. Un mec tout seul. Attendez, je vais me mettre là. Vas-y, toi t'es mort. Eh bah ouais, on passe pas au-dessus d'une table. Tu t'es cru où? T'es pas chez tes parents là? Allez. Ok, attendez, il faut une autre arme. Oh là. Oh le bâtard, il m'a pété la gueule. Une arme. Là. Non, c'est pas une arme. Il m'encercle. On va monter. On va chercher une arme. Une arme. Une arme. J'ai pas d'arme. Là, t'es mort. Non! Oh putain, il m'a pété la gueule! Cours! On a plus de vie! Ok, j'ai une arme! Arrête!
C'est Tandax, hein. Il en reste combien? Il en reste 2? Ah non, il en reste 3. On va reprendre de l'état, on va reprendre de la hauteur là. Ils me suivent ou pas? Ils me suivent. Ok. J'ai 20 ans. J'ai pas envie de perdre un an là. Tu vas pas me faire redoubler, frère. Je pars doubler. Oh! Et putain, je l'ai balancé ma batte de baseball dans la tête d'un autre mec. Vas-y, j'ai perdu un an, vous faites chier. Vas-y, je me relève. Hop là, un an de perdu. 10 de retrouvé. Allez. Arrête, arrête! Arrête! Non mais en 2 secondes, il me low life les mecs. Non! Non! Mais putain, enculé! Ah, ça me fait chier! Vas-y, on se relève! Ah, c'est trop dur! Oh, 23 ans! Tout ça pour ça, pour 2 coups de bâton. Oh, ah, j'ai le seum. Vas-y, c'est pas grave, on continue, on verra plus tard. Allez. Non! Arrête! Ok, bon. Bon, pas ouf, hein. Bon, en vrai, on est sorti. On est meilleur qu'avant, quand même. On est quand même bien meilleur qu'avant, je pense, hein. Tu vas venir vieux. Bah ouais, je vais finir vieux, Kuro, il y a des chances. Pour l'instant, on a 22. 22? 22, ça va encore, hein, 22. Mais là, on va vieillir bientôt. Mais en cours. Allez. On va booster quoi? Durabilité des armes, toujours, hein? Non? Vas-y, hein. Mais je pense qu'il y a moyen de finir ce niveau-là à 20 ans, hein, quand on sera chaud. Il est... En vrai, il est kiffant, ce jeu. Hein. C'est un vrai... Enfin, c'est vraiment kiffant. Je m'attendais pas à kiffer autant un jeu de combat, alors que je... En termes généraux, j'aime pas trop les combats, enfin les jeux de fight. Bah c'est fermé aussi ça, d'accord. Et surtout les jeux de tryhard là, je pensais pas que je... ce serait kiffant. Après on va voir, là je dis ça. C'est déjà le boss? Non. Y'a 2 boss? Si, c'est lui le boss? D'accord. Ah là là. Allez, j'appuie pourtant. Je suis mort, vas-y, mais il est trop fort pour moi. Putain, il m'a mis un croche-patte. On se relève. Attends, je peux acheter des trucs, hein, avec mon XP. Il faut que je fasse 3 fois Y et j'ai un coup de pied crocheté. Non, c'est nul. Coup de pied vif. Balayage puissant. Vas-y, balayage puissant, j'achète. Let's go, on se relève.
Pourquoi t'as skip la vidéo? Parce qu'on l'a déjà vu. On l'a déjà fait ce niveau là. Allez go. Oula. C'est bon, phase 2. On est mort qu'une fois la phase 1. On est mort qu'une fois la phase. En vrai, tranquille. Tranquille, tranquille. Allez. Là, ça, on peut passer ou pas? On l'a déjà vu. Non, c'est bon. Vas-y, on passe. On passe tout ça. Hein. Alors, il est là. Bon, je me fais éclater, je sais pas comment le battre. On se relève. On se relève. Boum. 25, 27 ans. Si on fait un sub 30 ans, c'est déjà pas mal en vrai pour une deuxième essai. Allez. J'arrive pas, hein. Oh putain, il m'a mis un coup de pied dans l'oreille. C'est pas sympa dans l'oreille. Se relever. C'est un aspect roguelike du coup? Non non non. Bah pour moi roguelike c'est des niveaux qui c'est des niveaux qui sont générés de façon aléatoire, mais là pas du tout. Allez! Faut juste que ça se pare en vrai. J'arrive pas à parer. On se fait marave par cet enfoiré. Vas-y, faut qu'on s'entraîne. Hein. Ah, on l'a eu. Bon. On va pas recommencer maintenant, je pense. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer au niveau 2, on va se faire défoncer dans le niveau 2. Et comme ça, ça nous permettra d'être plus chaud pour refaire le niveau 1. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ça vous chauffe ça? On a 33 ans à peu près. C'est tranquille 33, enfin c'est tranquille. Pas ouf mais... je pense que ça peut valoir le coup là. On a quel âge du coup? Je sais pas quel âge on a en vrai. Attends, j'espère. 34 ans, 34 ça va. Le club. Commencez. L'âge de la maturité. 34 ans, c'est l'âge de la maturité? Pourquoi? Ok. On va au club. On est hyper mature. C'est l'heure d'aller au club. Parfait. On va cluber. Oh là, ça commence. On va leur péter la gueule à eux ou pas? Forget about it. If you know... Ah merde! En fait, oui, non, fallait pas les battre. Bon, désolé, les gars. Il m'a dit que j'allais pas rentrer, bah on verra si j'entre pas. Mais il est où le videur? Il est là. Ok. Le videur est passé. Le club. Yeah? What do you want? Qu'est-ce que tu veux? Te péter la gueule. C'est exactement ce qu'on veut. Je kiffe l'ambiance du jeu, les animations, elles sont, c'est vraiment ouf en vrai. Ah.
Ah mais j'arrive pas à esquiver ces attaques. Bon. Bat de baseball. Go. Ça va clubber frère. Grosse techno. Yes. Attendez, puisque... Oula. Y'a pas une arme? Y'a pas une arme? Une bouteille. Oh là là. Allez, allez. Oh bah. Oh non. Oh je regrette là. J'aurais pas aimé mourir. On se relève. Je pensais pas que j'allais me faire péter la gueule aussi violemment. 38 ans. Ha. Allez. Ok c'est bon, j'ai découvert un nouveau bouton pour esquiver. Oh elle a des grandes bottes. Grandes bottes, grand fight. Oh bah. Oh la merde. Oh putain elle nous a mis des gros coups de grandes bottes. On se relève, on s'en fout. On a 43 ans mais c'est pas grave. On donne tout nous à 43 ans. Let's go. Oh, voilà. Ok. On pousse quoi? Putain on a déjà... Oh là là, on est vieux hein. 43. C'est quoi? Les lunettes de disco. J'adore, c'est trop bien, ouais, l'ambiance est géniale. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Oh là là. Il me faut des armes hein. Y'a pas une arme qui traîne? Et deux, un de moins. Vas-y, je vais courir, je chope une bouteille. Je lance sur la dame et je l'éclate. Oh, je l'ai lancé sur le monsieur, merde. Merde, 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 une bouteille. Il faut que je trouve une bouteille, je lance dans la tête et je l'éclate. Normalement ça va être ça la strat. Ok. Quoi? Ah oh, bah non. C'est pas bien passé. On se relève. Oh là, on va arriver à 50 ans là. 48. Oh là là. J'ai. Oh, ils sont déboutés. Putain, deux gringalés là qui nous pètent. On a 54 ans, on se laisse pas marcher dessus par des gosses de 20 ans là. Ah eux aussi ils ont 50 ans en vrai. Bon. Let's go.
Pas simple la vie. Là y'a rien là. Y'a rien. Allez, on y va. Ah, le fait de courir là, c'est vraiment stylé. Enquêtez. Il va me falloir un code. Pour l'instant, j'ignore où cette porte me conduira. Ok, quittez. Il y avait quoi là? Une bouteille? On prend. Hein. Lui là. Oula. Ok. Attends, mais il était quasiment mort? Il s'est full life lui? C'est dur. Qu'est-ce que c'est dur? Oh là là. Salut Swayer. Et en deux tartes, tu mets par terre. Oh non. On va pas aller loin là en ce niveau. 69 ans. Mais putain, j'ai paré! Bon bah, on part sur du... du 68 ans. 78 ans, pardon. Voilà. Ouais, il lui manquait un coup à cet enfoiré. Bon. Bon bah, je pense qu'on est pas loin du game over, là. Deux coups de poing et c'est game over. On a quelle tête, là? On a l'air quand même vachement balèze. Allez, go. Voilà. J'ai pas envie d'y aller. Go. Tu meurs. Réessayez. Quittez. Réessayez, ça nous remet où? Bah, faut qu'on fasse le niveau 1 du coup. Hein. Go niveau 1. Je vais avoir 12 ans au niveau 1, ok? Comment on va? Voilà, les squats. On refait les squats. C'est parti. Allez, let's go. On est chaud. 78 ans. Et on a pris tellement de l'âge rapidement dans ce niveau. Mais en vrai, ouais, va falloir tryhard. Hein. Moi, je veux... Il y a moyen qu'on meure que deux fois hein, ici, non? Je pense qu'il y a moyen. Hein. J'espère, hein. On va tenter. Hein. Let's go. Faudrait qu'on meure qu'au boss en vrai. Ok, go. Allez, ça va. Merci. Go zéro. Non mais zéro mort, ça va être chaud, ouais. Le boss, il est quand même assez compliqué. Hein. Allez, c'est parti, baston. Came to the wrong place. I pity you. You stay there. Oula. Mais putain. Je spamme le bouton d'esquive, ça esquive pas, ça me fait chier. On recommence. Abandon, abandon. Ouais. Allez, on se concentre. Il faut pas que je spamme le bouton en vrai, mais le mec qui va me foutre une patate, j'ai qu'une envie, c'est de spammer l'esquive pour qu'il esquive. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche absolument pas comme ça, ce jeu. Allez, let's go.
Allez, je m'en fous de ta cinématique. Moi, je veux jouer. Allez, c'est parti. Allez, allez. C'est chiant qu'on pourrait... Il manque un bouton pour recommencer instant, là, sans passer par... sans passer par les phases de blabla, là. Allez, on défonce tout. Go. I warned you, asshole. Je devrais même pas me prendre un seul coup de ces mecs là. Ils sont trop rapides, ils ont des points. Ça va trop vite de taper avec des points en vrai. Ils ont... C'est de la triche, c'est leur meilleure arme ça. Allez, on y va. Hop là. Go. Allez, on entre. Go. Baseball. Je suis mort. Ça me fait chier. Vas-y, je veux les éclater ces bâtards. Faut qu'on s'entraîne, faut qu'on s'entraîne. Ça prend trop de temps de recommencer à zéro. You must enjoy the taste of defeat. J'arrive pas à parer. Ah, parce que je me trompe de gâchette en vrai. C'est bon, j'ai compris. La gâchette de gauche et pas de droite. En vrai, on a régressé. On est plus mauvais qu'avant. Tout à l'heure j'étais meilleur que ça. Ça va pas en vrai, hein. Y'a un problème. Go. Allez go. Ah c'est frustrant. C'est frustrant. Casse-toi. Vas-y, on va dans le bâtiment là-bas. Allez. Une arme. Il n'y a pas d'arme. Si, il y a des armes là. Faut que j'en récupère une. Oula. Oh là 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 là. Oh, j'ai envie de quitter. Enfin, j'ai envie que ça recommence depuis le début. J'aime... Chaque défaite, c'est un poignard qui me plante dans le cœur. Allez, go. Oh là là. Oh là 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 là. Allez, allez. Non! 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 Mais putain d'enfoiré, on est nul! Allez.
Ah. Mais putain! Allez. Bon. Bah voilà, on est nul. Vas-y, je vais retaper le boss et on va devoir recommencer le combat. Le boss, il est pas loin, je crois, non? Ah, il y a lui, j'avais oublié. Oh non! Ah voilà, lui il nous a one shot. Babou. Babou le one shotter. Oh là là. Allez, allez. Ok. Bon, lui, en vrai, quand t'as la strat, ça va. Par contre, j'ai plus d'armes. J'ai plus d'armes, j'aurais dû garder une arme pour l'autre. L'autre, il est, l'autre, il va vraiment marave. Hein. Ah, c'est pas grave, on y va. T'es là, hein. Hop là. Allez, on y va. Du coup, rapide de le battre dans le pif, c'est le pire. Mais oui, carrément. Hop là. Let's go. Bon. Bonjour. Locked. Non, c'est fermé ça. Je sais pas ce que. C'est pas où ça va cette pièce là, mais ça me fait peur. Allez, let's go. On passe ça. Et on fight. Allez! J'arrive pas. Hein. Oh là là. Oh mais j'ai... Putain, je sais que j'ai appuyé sur le bouton au moment où je me suis pris le coup de pied, je comprends pas. Pff, 37 ans, ok super. C'est pire hein, avant on avait, 20... on avait 24 ans ici, ou 22. On a vraiment régressé hein, j'aurais pas dû aller dans le niveau 2, ça m'a rendu mauvais. Oh là là. Oh là là. J'y arrive pas. J'y arrive absolument pas. En vrai, je pense que ce jeu-là, je vais, je sais pas comment on va, je vais l'appréhender, mais il y a des chances que j'aille pas au bout. Hein. C'est pour me prendre des patates dans la gueule pendant des heures. Allez, allez. Allez. Tout le temps comme ça, tu finis par régresser pour devenir meilleur. Ouais, on va voir si je vais garder le plaisir de jeu avec ça en vrai. Hein. Là, c'est pire que la première fois qu'on a joué, je crois. Hein. Parce qu'on est même pas dans la phase 2. Hein. Alors, let's go. Là, c'est la pire phase, je la déteste. En fait, il perd pas de vie quand je le tape, c'est ça qui est ouf. Faut que j'apprenne des combos, mais y a pas des combos sympas là, genre... Coup de paume, bas OX. Vas-y, on essaye. Ça marche pas. Oh.
Il nous a mis un bambou dans le dos. Vas-y, j'ai envie d'abandonner, on recommence depuis le début. C'est la mentalité que tu veux donner à tes viewers, l'abandon face à l'échec. Oh, je m'en bats les couilles de la mentalité que je transmets à mes viewers. On va juste recommencer ce niveau. Carrément. Si je m'amuse pas, je m'amuse pas. Hein. Il n'y a pas d'abandon devant l'échec. Moi, je suis là, moi, je joue pour m'amuser. Si je m'amuse pas, c'est nique ta mère le jeu. Et puis ça va, je l'ai pas payé le jeu. Si j'avais payé 40 balles, je pense que j'aurais eu plus envie de jouer. Là, si je m'amuse pas pour 40, pour gratos, ça, avec, sans aucun souci, j'arrête. Mais en vrai, si c'est fun, mais on ira par petite dose hein, en vrai. Hein. Par petite dose ce jeu. Hein. Mais bon, c'est un jeu de tryhard, donc faut pas y aller à petite dose. En vrai, c'est débile. Faudrait y aller à fond pendant des heures et des heures, mais j'aurais pas le kiff de faire ça en vrai. Ok, go. Lui, il s'est pris une patate. Ok, il a même pas pu m'attaquer. Je sais pas pourquoi des fois ils peuvent m'attaquer, des fois ils peuvent pas m'attaquer. Parce que des fois ils arrivent à me parer et c'est là qu'ils me tuent en vrai. C'est ça qui est chaud. C'est ça qui est plutôt chaud. Vas-y, on passe. C'est parti. Let's go. Vas-y, je m'en fous, je tape. Bah, ils sont énervés les vieux là. Vas-y, on y va. C'est parti. J'ai 20 ans j'espère là. Je sais pas si j'ai 20 ans mais j'espère. Ah putain. Ah putain. Oh là là, c'est... Il me faut un gun hein. On va choper un gun hein. On va aller à l'étage. Mais putain. On recommence. C'est vrai que quand tu spirales le niveau sans mort, ça commence à être fun en vrai. Allez. Hey, il a réussi à m'esquiver ça le bâtard. Bon attendez, on va remonter. On va récupérer l'arme qui est... Y'a pas d'arme ici non? Il y en avait une. Y'a pas d'arme. J'ai reset ma mort. Enfin j'ai pas reset ma mort mais j'ai reset le compteur de mort. Attends, faut que je ramasse des trucs, y'a des bouteilles à récupérer là. Là la bouteille. Ah non c'est... Oh, non. Attends, on va tuer ceux qui ont pas d'armes déjà. Lui là. Oh putain, mais il tape trois fois, j'avais oublié. Non, il tape que deux. Oh, remords. Commence, relevez. C'est parti. 22. Ouf, 22 ans, ça fait mal. Allez. Shit,
Oh putain, putain, mais esquive, sale connasse! Ça marche pas. On recommence. 24 ans, on est trop vieux, 24 ans c'est vraiment trop vieux. Surtout, normalement, l'autre fois on avait 24 ans contre... On a gagné à 24 ans tout à l'heure. Après j'avais joué beaucoup plus safe. Mais vas-y. Là. Oh non. Pff, vas-y, je me casse. Hein. Abandonner, on recommence. Non, on peut pas genre recommencer plutôt qu'abandonner. Non, faut que je fasse continuer, faut que je fasse me relever. Il faut que je fasse recommencer. Alors, pause. Recommencer. Recommencer, quitter. Recommencer, Snia. Bon. Sinon, il faudrait peut-être que je tryhard cela en vrai. Je sais pas trop comment appréhender ce tryhard. Je sais pas trop comment faire. C'est chaud. C'est chaud. Bon, go. Mais ouais, il y a 5 niveaux à prendre par cœur du coup. Get lost. I warned you, asshole. Ok, bon. Nickel. Eux, ils me tapent plus déjà. Ils arrivent plus à me taper. Ils sont vraiment nuls, mais ouais, avant, ils arrivaient à mettre un ou deux coups. Là, c'est cool. Là. Attends, y a pas des trucs à loot ici? Ouais, non, on s'en fout. Ouais. Ah putain. Et n'importe quoi. Ça me casse les couilles. Vas-y, je continue. 21 ans. Âge de merde, 21 ans. Putain, mais esquive, connasse. Vas-y, batte de baseball, celle-ci, go. Parti. Salut Dark Link, bienvenue. Les accros. Accro à la baston, ouais. T'es mort. Crève. Maintenant, next. On va tuer les deux, là. Parti. Ah non, y a ça avant, oui, j'ai oublié. Oh non. Relever. C'est tellement frustrant. Je pense qu'on a... On a joué les plus frustrants auxquels j'ai joué depuis... Depuis longtemps. Oh, il a arrêté. Oh non, il est devenu en furie, lui. Il fait chier. J'ai déjà bien assez de mal à les éclater, tes potes. Oh, une raison pour te mettre en furie, frérot. Il est en furie de ouf. C'est Naruto, le gars. Oh.
Allez, allez. Ok, ok. Les petits bruits que ça fait, les armes me font rire. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Et Bolori, qui a pris un sub prime. Merci beaucoup pour ton sub, Bolori, bienvenue. Bienvenue à toi. Bienvenue, Bolori. Oh. Déverrouillé. Je m'en fous de ça. Vas-y, moi, je veux jouer. Allez. Je pense que ça va être compliqué, hein. Allez. Et putain. Ils sont plus que deux. Être triste après un combat, t'as pas été capable de les éclater plus que ça. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? Il me faut une arme. Il me faut une arme, il y en a pas. On peut pas les repérer là, les armes? Aïe aïe aïe. Là, y a rien. Ah là! Une batte. Allez, un tuyau. On va tuer les deux là. Les trois. Go. C'est bon, il reste plus que le boss. Arrête. Ok, c'est bon. J'ai une arme. Prends le tuyau. Allez, le boss. C'est parti. Ah, c'est pas là. Non, il y a un truc avant. Je sais plus s'il y a un truc avant. C'est bim bam boum. Ça fait bim 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 boum. Je pense des sessions de 2-3 heures, ce sera ce qu'il faut pour ce jeu. Sinon, je péterai un câble, je pense. Durabilité des armes. Allez, go. Le boss? C'est déjà le boss ou pas? Je sais même plus. Non, il y a un truc avant en vrai, non? Non, c'est déjà le boss? Non, il y a un truc avant. Cette salle-là? Non, c'est le... Non, c'est déjà le boss, ok. En vrai, ça va, il n'y a pas beaucoup d'adversaires. Il y a juste la salle chiante hein, qui est compliquée. Enfin, la salle avec plein de mecs. Hein. Et le boss. Le boss, il va falloir que j'apprenne à le buter. Mais avec la pratique, ça devrait se passer, non? Ouais, ça commence. Comment il prend rien. C'est vrai qu'il prend très peu de dégâts, mais il faut savoir parer toutes ses attaques en vrai. Ah sinon je pars pas, j'esquive. Bah voilà, ça commence.
Ah bah oui, mais là il fait des... Mais pourquoi, comment il fait ses combos de ouf? Moi je voudrais en faire des combos comme lui. Il me fait des croche-pattes. Moi aussi je voulais mettre des croche-pattes et lui péter la gueule en deux coups, moi. Relevé. J'ai 30 ans, ça y est. L'âge mort, l'âge du décès. Allez go. Mais putain, mais... J'en ai marre. C'est difficile. Je sais pas quoi faire. Ça me fait chier. On peut pas se battre contre des gens de notre niveau plutôt que des mecs... Je sais pas ce qu'ils ont ils ont bouffé là, mais... Bon, midlife. Allez, on fait la deuxième phase. J'arrive pas à le tabasser. Je pense que ce jeu n'est pas fait pour moi. Hein. Je pense que c'est juste ça. Hein. Là, la proportion de plaisir que je prends, elle est quasiment nulle. Et en vrai, moi, je joue aux jeux vidéo, c'est pour prendre du plaisir, en vrai, essentiellement. Hein. J'aurais bien aimé voir les autres niveaux, mais je pense qu'on en verra que deux. Hein. Elle tape pas, elle est empotée, notre dame, là. Elle a 30 ans. Allez. 43. Y'a rien de plus triste. J'ai esquivé. Je vais essayer de m'entraîner à esquive là. J'ai esquivé, ça me fait chier. J'en ai marre. L'important c'est d'essayer. Ouais. Je suis content quand même de pas l'avoir acheté ce jeu. Comme ça, si j'ai vraiment j'ai envie de complètement arrêter d'y jouer, et bah j'aurai aucun scrupule. Ça se fait trop plaisir. Il m'arrave. Il y a un bâton là, je peux le prendre? Ah c'est bon, j'ai une arme. Ah bah une neuve. Je veux prendre l'arme frère. On recommence. Allez, recommencer. Allez, objectif, moins de 23. Non, moins de 23. C'était notre record, c'était 24, je crois. Pff. Non, objectif, zéro mort. À partir du moment où t'as une mort, c'est fini, le jeu. T'as raté, quoi. Donc tu meurs une fois, c'est que t'es nul. Là, je suis méga nul, j'ai 40 ans. Allez c'est bon, on a 10 ans, là c'est bien, c'est parti, on commence. Il pourrait nous faire commencer à 3 ans en vrai. Salut Herman, ça va et toi? Non ça va pas du tout. Ça va absolument pas. Je joue à un jeu que je déteste. Je joue à un jeu.
Un jeu qui est beau, qui est agréable à regarder, mais que je déteste par-dessus tout. Vite fait, je suis malade. Oh, t'as pas... Bah, j'espère que ça va aller mieux. J'espère que t'as pas le Covid, non, t'as autre chose. T'as une petite maladie. Bon, remets-toi bien, remets-toi vite. Hein. Le jeu a l'air cool, j'ai reçu une clé, mais pas testé. Moi aussi, j'ai reçu une clé. Et bah, c'est chaud, hein. En vrai, le concept est vraiment cool. C'est genre, tu recommences les niveaux en boucle jusqu'à ce que t'arrives à mourir le moins de fois possible dans le niveau. Et il faut apprendre à se battre. Moi, quand je joue à un jeu de combat, j'ai tendance à appuyer sur tous les boutons. Ça marche pas dans le jeu. Oh là 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 là. Nique ta mère! Nique ta mère, violent! Pourquoi y a pas le bouton recommencer quand on est là? Il manque le bouton recommencer, y a que le bouton abandonner. Je veux recommencer depuis le début! Je veux pas abandonner! Vas-y, on a abandonné, on recommence. Tu peux avoir une meuf, je croyais que le héros était forcément avec. Non, y a les choix, y a le choix. Tu peux prendre le héros que tu veux. Mais là, je suis en train de crever contre deux connards avec une batte de baseball, alors qu'après, y a 10 mecs avec 10 battes de baseball! Ça m'énerve! Ah! Allez. Go. Je sais pas en combien de temps je vais apprendre à jouer, mais je sens que ça va être tendu. I warned you, asshole. Ok, go. Ils font près de la méta. Fallait amener un flingue. Mais je cherche des flingues depuis tout à l'heure, j'en trouve pas un seul. Je pense que le jeu est pété. Là, tu pèses dans 2 semaines, tu le speedrun. Hein, ça m'étonnerait. Hein. En vrai, y a des chances que je le rage quitte ce jeu. Hein. Mais j'ai envie de voir les 5 niveaux. Y a 5 niveaux en vrai. Eux là, comment je m'en occupe? On attend. Et les gars, vous avez des battes de baseball? J'ai pas d'armes. Pose cette batte de baseball. Mais putain! Mais sale enculé! Pardon. Recommencer. Depuis le début. Je ne veux pas perdre contre ces deux fils de pute. C'est pas possible. Punaise, le level 5, tu dois être à la maison de retraite tous les jours. Mais en vrai, le concept est trop drôle parce que le niveau 1, il faut que tu réussisses à le faire. En gros, si j'ai 35 ans à la fin du niveau 1, le niveau 2, j'ai 35 ans. Et du coup, il faut que je fasse le niveau 1 sans mourir pour avoir 20 ans à la fin du niveau 1 pour pouvoir faire le niveau 2 à 20 ans. Et essayer de le finir toujours à 20 ans. Comme ça, je peux faire le niveau 3 toujours à 20 ans. Mais il va falloir tryhard. Heureusement qu'on peut courir. Les niveaux sont pas longs en vrai. Il y a 3 phases de mob et après, il y a un boss. Il y a que dalle. Hein. Ok, allez go. Il y a pas d'histoire sinon? Si. Mais là, l'histoire, on s'en fout, là. Enfin, là, je t'avoue, là, le niveau 1, on a déjà vu l'histoire. Et maintenant, je le farm. Hein. On s'intéresse plus aux détails. Quand on fera le niveau 2, on s'intéressera à l'histoire. Quand est-ce que tu joues à Breath of the Wild? Pas maintenant, comme tu le vois. Allez. Allez, les deux, là-bas. Les deux. Alors. Mais putain, mais cours, esquive, sale connasse! Avec ton chignon de merde, là! Allez.
Allez, crève. On prend la batte de baseball et on continue. Allez, c'est parti. On va éclater l'autre, là, à gauche, avec la poubelle. Tout le monde connaît le kung-fu, c'est cliché raciste. C'est vrai que tout le monde connaît le kung-fu ici. Mais non, parce qu'ils veulent tous se battre. On est à Combat Land, là. On est à Fight Land. Vas-y. Là, on va taper. On est à où, là? Ah, c'est les mecs dans la paroisse. Là, c'est le moment, le niveau chiant. C'est le moment que j'aime pas. Ça, et tous les autres niveaux, en bref. Demi-tour, go. Oh putain, la pute. Les sales connasses. Pardon. Elle m'a saoulé avec ses lunettes là. On recommence. Ah, on recommence, on continue là. Là je continue. Niveau là, faut que je m'entraîne à les battre en vrai. Allez. Oh là 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 là. Bon, demi-tour, go. Non. C'est la meuf cheatée. ans, ça y est, c'est mort. On est à la retraite là, c'est fini, on est une merde. 23 ans, mais c'est au panier là. On est plus un âge là. On mérite même pas de vivre après 23 ans, c'est fini. Ça y est, j'en ai marre. 23 ans sur YouTube, c'est le début de la 26 ans. Mais jeune merde. Allez. Mais salope! Deux coups de pied, je suis mort! Moi, je t'encule ta gueule, tu crèves pas! Bon, on se concentre, on oublie. Plus on rage, plus on est nul. Là, j'ai trop ragé, je suis méga nul, j'ai 30 ans comme une merde. Désolé à tous ceux qui ont 30 ans dans le chat. Hein. Mais sachez que Sifu vous dit que vous êtes nul. Hein. Putain! Allez! Esquive. Be careful. She's... J'ai vraiment passé un hyper mauvais moment. Je m'amuse pas. Il y a des ulti. Ah oui, il y a des ulti. C'est vrai que je pense jamais à le claquer, l'ulti. Jamais aux ultis. Allez. Ok, toi t'es mort. Allez, balourd. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On récupère un objet. Y a pas une arme qui traîne? Une armoïde? Là, ça, un bout de bois. On va se faire éclater par Jean-Michel, je fais planter des herbes là. Let's go. Ouais, bah tu vas voir, je vais cliquer l'ulti là. Là je l'ai gardé, pour le claquer après. Attends, on augmente la durabilité des armes, je peux pas, je suis trop vieux. Putain, j'ai 30 ans. Mise à jour à terre, réserve de trucs, je sais pas ce que ça veut dire les autres trucs. Ça, on n'a pas les moyens. Nombre de morts, initialise le nombre de morts à 0. Non, ça compte pas, on s'en fout. Maîtrise de l'arme. Augmente les dégâts des armes et leur impact sur la structure de la...
de l'adversaire. Ajoute une demi-jauge de focus. Parfait. Go. Parti. Bonne chance, merci Bollory. Merci beaucoup. Allez, on court, on va lui péter la gueule. Il est où le monsieur? Il est là-haut. Il est là-haut. Allez, go. Ce jeu te rappelle à chaque fois que t'es vraiment nul. Tant que tu maîtrises pas les touches à la perfection. Ça, ça fait mal. Moi j'aime bien les jeux où genre ils te laissent... Bah, ils te laissent découvrir quoi, et puis tu maîtrises les touches qu'au boss final quoi. Mais non, là ils veulent pas. Bon. Bon, je vous mets la cinématique pour le plaisir. On l'a spammé, on l'a skippé trop de fois. Regardez, c'est Jean-Michel botaniste. Hop là, il est vraiment trop fort. Il fait... Bon, les feuilles sont pas belles, mais il fait pousser. Il fait pousser. Allez, c'est bon, Spite, c'est le moment. Attends, faut que je lui mette un outil dans la gueule. Ah merde. Ça y est, je vais perdre 2 ans là. Non, je m'en fous. Attends, ah oui, faut peut-être acheter des trucs en vrai. Ça serait peut-être pratique, j'en achète. Y'a quoi? Y'a pas genre one shot tous les ennemis en 2 boutons? Focus, frappe, verticale. Projection inversée. Focus, frappe, verticale. Faut faire quoi? 2 barres. J'ai acheté ça, je sais pas ce que c'est. Relevé, go. Pff. Avec son pouvoir, le gars pourrait aider Louis de Pénard, mais il a choisi la... Non, en vrai, il deal de... Il deal une sorte de cocaïne. En gros, les plantes violettes, là, c'est une cocaïne. Donc en vrai, non, il est juste... Il est parti dans la drogue un peu plus dure que la weed. Il s'est dit... Il veut vendre aux traders. C'est de la drogue pour les traders, je pense. Plutôt que vendre à des... Vas-y. Oh là là, mais... Vas-y, si je cours, il me tue pas? Si je cours, il me fout un coup de pied dans le dos. Allez, viens. Moi aussi je veux pouvoir faire ce qu'il me fait lui. Pourquoi moi je suis pas capable de sauter sur les murs et de lui foutre un coup de pied retourné dans la tête? Faudrait un jeu, le même jeu mais en mode ralenti. Genre la vitesse elle est à 20% de la vitesse actuelle. Ou avec, genre quand il m'attaque, il y a un petit mode ralenti qui s'active. Genre pour te dire appuie sur ce bouton pour parer. Moi ça me plairait en vrai. Ou peut-être que mes coups de poing fassent des dégâts plutôt que rien du tout. Ça, ça me plairait aussi, je pense. J'arrive. Oh non. Il s'est cogné le dos. J'en ai marre, on a 40 ans de merde. On n'est plus rien. Ça y est, la crise de la quarantaine est passée là, je vais te péter la gueule. Allez. En vrai, je comprends qu'il soit kiffant ce jeu. Mais je suis pas sûr que ce soit fait pour moi. Bon allez, phase 2. Dis-toi, attends. Et la dernière fois, j'avais réussi à le finir à 24 ans à ce niveau tout à l'heure. Quelle est la probabilité pour que je puisse lui mettre 3000 coups? Et elle parait toutes ses attaques. Elle est nulle cette probabilité là, non? Oh mais... Oh.
Faudrait même pas que tu cherches à gagner au début, mais analyser ses mouvements et voir ce qu'il faut faire. Ouais, en vrai, hein, faut que je fasse ça. Hein. J'ai essayé tout à l'heure de parer toutes ses attaques. J'arrive à en parer une sur deux. Ça paraît facile, la vue comme ça, en vrai. Il m'enchaîne trop. Pas qu'on va y rejouer à ce jeu. Je pense vraiment pas en vrai. Je pense que ça va être la dernière fois qu'on va jouer à ça. C'est pas fait pour moi. Et je pense qu'on jouera jamais à Dark Souls. On jouera jamais à Dark Souls, on jouera jamais à Sekiro. Et on jouera jamais à tous ces jeux de merde. Qui. Il n'y a pas de plaisir. Oh, je l'ai eu. Bon. Putain, qu'est-ce que je passe un mauvais moment. Putain, dans le terme jeu vidéo, il y a le mot jeu, hein. Il n'y a pas que vidéo, les gars. Pour le coup, Dark Souls a l'air moins... Ah ouais? Non mais en vrai, je pense pas que ce soit si dur, hein. Moi, je pense que c'est juste une grosse merde, hein. Moi, quand je joue à un jeu de combat, je spamme les boutons. Et là, ça marche pas, en vrai. Ça marche pas. Là, j'ai l'impression que ça s'est mieux passé, observer ses attaques. Bah... C'est vrai que ouais, mais vas-y, on recommence. Hein. Le club. Je sais pas comment on va appréhender. En fait, ce qui m'emmerde, c'est quoi? C'est que pour réussir à être bon à ce jeu, il va falloir tryhard. Mais j'ai pas envie d'y passer des heures à ça, moi. J'ai envie d'y jouer de temps en temps. Mais si je joue de temps en temps, jamais je progresserai. C'est ça qui est le problème. Le problème de ce jeu, c'est qu'il va falloir tryhard beaucoup et tous les jours. Et je pense pas que j'ai le tempérament pour ça, en vrai. C'est trop dans le bourrage. Vas-y, on n'est plus un bourrin. On devient un vrai Yamakasi. Putain, mais... Ok, c'est bon, allez, on essaye. Bon, si je me fais éclater par les mecs avec la batte de baseball, je pense que c'est la fin pour moi. Quand tu pars, c'est cool, la jauge orange augmente et ça te permet de faire le crit plus vite plutôt que de frapper et essayer de baisser sa vie. D'accord. Allez, eux deux là. Oh. Oh. She has a weapon. Au moins, je suis pas mort contre les mecs avec la batte de baseball. Ça veut dire que je peux continuer à jouer. Bon, lui c'est rien. Pourquoi ils en mettent? Ils servent à rien. Mettez-moi deux mecs là et puis vous en mettez pas 40 ici, quoi. Lui, il résiste. Il prouve qu'il existe.
Ça prouve qu'il existe quand il résiste comme ça. Ok. Oh non, c'est la cheatée. C'est Mistinguette trop cheatée. Par toi. Ok. Ok. Allez. Non! Oh. Allez, on se relève. 21, ça fait mal au cœur à chaque fois que je vois ces putains de chiffres monter là. J'ai perdu 6 mois là, j'ai perdu un an, 2 secondes. Tu t'en sors bien, honnêtement, je m'en sors pas bien. Bah, moi j'ai pas l'impression. À partir du moment où je suis mort, c'est que je m'en suis mal sorti. Allez. En vrai, je m'attendais pas à un jeu aussi rigoureux en vrai. C'est moi qui disais que j'aimais pas les jeux avec plusieurs niveaux de difficulté. En vrai, dans ce jeu-là, j'aurais bien aimé plusieurs niveaux de difficulté. Oh, mais... La difficulté journaliste, ça manque là. Ah oui, y'a ça, la difficulté journaliste, trop bien. Ouais. Ouais, c'est ça que je veux. Sinon, j'installe un... Je mets un petit cheat engine. Et puis, je sais pas, on met vie infinie, quoi. Vie infinie, serait marrant, le jeu. Ou non, vie x10, quoi. Juste x10. Ou x100. Je pense que le dernier niveau, il me faut vie x100. Et dégâts, non, ou dégâts x 40. En vrai, tu mets dégâts x 40, ça passe. Oh non. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on prend? Là. Un vieux bout de bois. Là, c'est parti. Bon, on meurt combien de fois contre l'autre? 10 fois? 20 fois? On prend combien? On prend 10 ans? Allez, vas-y, on part pour prendre 10 ans. Et on va... Et lui va peut-être prendre perpète. Hein. Si on prend 10 ans, il prend perpète. Ça, je prends... Oh, on a moins de 25 ans. On a 25 ans. Arme plus durable. Parfait. Vas-y, t'es bon en vrai? Pas du tout. Absolument pas. Mon objectif, c'est de pas prendre un seul coup. Tu meurs 3 fois. Sub 30 ans, je parie. Ça m'étonnerait, en vrai. Sub 30 ans. J'ai le droit de mourir 2 fois, je crois, en sub 30 ans. Je crois, hein, je suis pas sûr. Enfin, on va voir. Allez. En vrai, il est tout court, le niveau. Il y a quoi? Il y a 2 salles. Il y a la salle avec les battes de baseball et la salle avec les autres battes de baseball. Et, c'est, et le boss. Oh. Mais putain, je te pars, petit enculé, pardon. On recommence. En vrai, quand je suis dans ce niveau-là, j'ai envie d'arrêter de jouer. C'est ma... c'est... Il est mal foutu, leur menu. Il donne vraiment envie de s'arrêter. Ils devraient pas mettre ce menu-là. On devrait se relever instant et perdre juste notre vie.
Vas-y, je vais m'acheter ça, là, je sais pas pourquoi. C'est le niveau de la lose. Ça, c'est l'écran de du loser. Mais jamais je fais un sub 30 ans, là, en vrai. Hein. Vas-y. Mais arrête de me péter le nez là. Ok bon allez phase 2. J'ai migraine de ouf, je suis sorti de mon leurre pour chat Twitch et dormir. Bah repose-toi bien LinkerF. Repose-toi bien. Tout le monde est malade là dans les chats. Bon. Allez. Il faut que je trouve un bout de bois. Là. Il faut que je trouve un méchant. Un bout de bois. Pardon. Il faut un autre bout de bois. Y a-t-il d'autres bouts de bois là? En vrai, il laisse des bouts de bois un peu partout, hein. Merde, j'ai lancé mon bout de bois, faut que je le récupère. Il est où mon bout de bois? Là. Il faut un autre bout de bois. Là. Il y a des bouts de bois partout, en vrai. Bah oui, mais là, le coup de pied dans les côtes, là, ça fait mal. Ça me permet de lancer de bâton. Ouais, ça l'assomme un peu. J'ai 29 ans. On part sur un sub 30, là, pour l'instant. Ah bah ouais, sub 30. Bon, c'est encourageant. On se le fait une dernière fois. On se le fait. Il faut un sub 25, hein. Il faut qu'on fasse un sub 25. Allez. Non, faut qu'on fasse sub 24. Notre record, c'est sub 24. On a fait 24 ans. Faut qu'on fasse un sub 24, c'est obligé. Ok? Faut qu'on batte notre record. On peut pas être en perpétuelle régression dans notre vie. Vas-y, c'est parti pour un sub 24. Vous entendez la musique, là? C'est la musique qui dit qu'on va pouvoir sub 24. En gros, cette partie-là, c'est la dernière qu'on va faire. C'est celle qui va dire, est-ce qu'on va relancer ce jeu-là un jour ou pas? Tout va se jouer là. Si on fait sub 24, je pense qu'on va ressortir le jeu un jour. S'il n'y a pas de sub 24, je pense que le jeu, on va faire un clic droit désinstallé. C'est parti. Les squats. Enfin ouais. Concentration. Le moine Shaolin. Il faut que je me... Je sais. Je vais... Non bah non. Non si. Non. Je vais mettre le son. Non non, le son, il n'y a rien à changer. Il faut juste que je me concentre. Je mets le focus. C'est parti. Go. On passe. Commencez. Let's go. J'ai fait 20... Ouais, j'ai fait 24 la deuxième fois. J'ai fait le niveau deux fois. La première fois, j'avais 60 ans. La deuxième fois, j'ai eu 24 ans. Ok, il était au sol. Allez, c'est parti. Bon, les gars aux battes de baseball, je les déteste ces deux-là. Allez, cours. Pour l'instant, on a 20 ans.
Elle a une tête de meuf de 20 ans. Elle fait 26. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Let's go. Ça commence. Mais putain, vas-y, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'arrêter. C'est chiant. Ça me fait chier. Abandonner, oui, on recommence. C'est un cheat code asiatique, t'as l'air d'avoir 26 ans jusqu'à 60 ans, puis tout se précipite. Je crois que c'est ça en vrai. C'est exactement ça. Ah, mais ça, c'est la frustration ce jeu. Il faut pas que je joue à ça. Ça va me faire des cheveux blancs, ça va me faire détester tout le monde, je vais devenir irritant, je vais insulter les viewers, ça va mal se passer. Faut pas que je joue à ça. Hein. On va se faire un live sur Adibou, vous allez voir, ça va vite me calmer. Pff, on se concentre. Moi, Shaolin, c'est parti. Get lost. I warned you, asshole. She can't keep up. T'as le temps pour un vocal court après ton live ou flemme? Bah carrément si tu veux. Bah dans, d'ici soit ce que je meurs, soit ce que je gagne. Donc entre 30 secondes et non, je pense qu'on va au bout. Peu importe l'âge, on va au bout, ok? Donc d'ici 15-20 minutes, enfin non, moins je pense, ça dure pas longtemps en vrai. Alors des fois on le one shot lui, des fois on le one shot pas. Ok. 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 Look what we have. Je récupère l'autre batte. Elle est là. Oh. En vrai, le seul truc qui me permet de gagner, c'est de les brain. En sautant au-dessus d'une... J'ai sauté trois fois au-dessus de la clôture et j'ai plus les brain. Mais en vrai, on va jamais gagner. Hein. C'est pas en jouant comme ça que je vais réussir à finir le jeu. Hein. Après, j'ai pas envie de le finir en vrai. J'ai juste envie de passer du bon temps de temps en temps. Let's go. Go, bonjour, toi t'es mort. Une arme. Voilà. Shit, she's armed. Ça se passe... Non, non, j'ai pas... J'espère que ça va finir par bien se passer, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien, oui. Allez, la fougue de la vingtaine. Voilà, il suffisait d'une action. Ça va, ils m'ont pas trop assommé, je suis midlife.
Oh non, 21 ans. Relevé. Oh non, arrête. C'est la meuf cheatée, elle. Non, c'est pas la meuf cheatée. Pourquoi il n'y a pas eu la meuf cheatée, là? J'ai pas eu la personne cheatée. Alors attendez que je... Où sont les tuyaux? Là. Non, un tuyau c'est mieux. Allez, go au tuyau, c'est parti. Comment elle a goumé? Elle a goumé son pote? Ah, c'est peut-être pour ça en vrai. Oh, j'aime pas avoir 22 ans, moi. You should have stayed down. Put that down before something. Bon. Bon, maintenant, je prends le tuyau. Il est où, le tuyau? Il est où, le tuyau? Là. Let's go. 22 ans. 22 ans. Toujours toutes mes dents. Attends. Est-ce qu'on voit tes dents ou pas? Non, j'espère qu'il a toutes ses dents, ouais. Bon! Bon, bon, bon. Let's go. Il me fume, ce mec, il est marrant. Hein. Il est marrant, hein. Moi, il me fait pas rire. Durabilité des armes. Arbre de compétences. On achète quoi? Coup de pied vif. Qu'est-ce que je peux acheter qui pourrait être pratique? Brise figure. Sert à étourdir l'ennemi en l'attaque directement avec une arme contondante. Ouais, en vrai, on fait ça, non? Non, mais non. Anti-bousculade. C'est pas quoi prendre, il y a trop de trucs. Double Y, XY, main nue et bâton. Qui vous laisse avec le dos tourné. Coup rapide et furtif qui vous laisse avec le dos tourné. C'est pas ouf ça, si? C'est bien ou pas? Je sais pas si c'est bien. Bon, ça me saoule, ouais, je comprends rien, vas-y, je me casse, on y va. Mon œil, ça change pas grand chose. Hein. Le mec a rien compris au jeu, tu sais. hop là. Let's go. Pas évident de savoir ce qu'il faut. Moi, je pense que il faut tout avoir. En fait, j'ai envie de tout acheter en permanent, moi. Je veux pas que ce soit temporaire. Ils abusent en vrai. Ouais, tu l'auras, mais pas si tu recommences. Bah, allez, va te faire foutre. Oula. Allez, allez. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive au méchant là? Pourquoi? Pourquoi je l'ai éclaté? Je comprends rien. Bon, vas-y, phase 2. On cherche des bouts de bois. La chasse au bout de bois, c'est parti. Oh bah putain! Bout de bois, bout de bois, bout de bois. Oh connard, 23.
Coup de bois. Coup de bois. Bien. Coup de bois. Coup de bois. Là. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est... Je l'ai perdu. Oh là. Non, allez, 25 ans de merde. En vrai, 25 ça va. Faut juste pas que je fasse plus. C'est pas pire que 25. Allez, pète-lui la gueule. Oh non, il restait deux coups. Bon. Bon, en vrai, ça va. Ça s'est arrêté sur quelque chose de positif, en vrai. Tant mieux. Donc, il y a moyen qu'on rejoue à ce jeu. Il y a moyen qu'on rejoue. En vrai, on peut progresser. Faudrait qu'on y joue 2 heures par jour, je pense. 2 heures, ce serait pas mal. 3 heures, c'est... Je sais pas combien de temps on a fait, là. Bah, 2h40. 2h40, c'est... 2 heures, je pense que ça serait bien. Bon, on s'arrête là. C'était cool. En vrai, j'ai un bon... C'est cool qu'on se soit arrêté sur une bonne note. J'étais un peu ronchon, mais c'était sympa. On va faire des bisous aux gens qui nous suivent sur YouTube. J'espère que ça vous a plu, YouTube. Vrai jeu de tryhard. Et avec une nuit de sommeil, je pense que ça ira mieux. Enfin, ça ira mieux. Mentalement, demain. Au niveau du gameplay, je pense pas que ça ira mieux. Mais au niveau du montage, je pense que ça sera mieux. Au revoir, YouTube. À la prochaine. Bye bye. Bisous. Au revoir.